Par la gestion calamiteuse du pays par Ali Bongo, mais tenez bon, le meilleur est à venir. Beaucoup disent en quoi la vie de Malika Bongo, d'Ali Bongo nous intéresse. Beaucoup vont se dire, mais
Il parle de la vie privée. Non, il n'y a rien de vie privée là. Ali Bongo est despote valétudinaire. Ali Bongo, c'est l'imposteur qui gère le Gabon. Malika Bongo est députée imposée de Bongoville. Elle est élue du peuple gabonais. Donc, ce qu'elle fait nous intéresse. Et sachez qu'elle est logée à 8 millions de francs CFA par l'État gabonais. Sa villa à la Sablière coûte 8 millions de francs CFA payés par la présidence de la République. Donc, ça nous intéresse. Ceux qui sont fatigués, allez-y dormir. Voilà. Si vous êtes fatigués, allez-y dormir. Alors, je viens vous parler de la dot de Malika Bongo. Je viens vous parler de l'appel d'offres lancé par Ali Bongo. Ali Bongo veut que sa fille se marie. Ali Bongo, c'est le despote qui dirige le Gabon. Mais souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, c'est là où ça devient intéressant. Il n'y a pas longtemps, on a légiféré sur le mariage coutumier au Gabon. Souvenez-vous, on a légiféré sur le mariage coutumier au Gabon. Et on a dit que désormais, le mariage ne doit plus dépasser, je crois, 2,5 millions. Ça ne doit plus dépasser. C'est le plafond. Mais voilà, pendant que la loi fixe un plafond, mais vous avez le despote Ali Bongo qui fait le contraire, qui multiplie même ce plafond par 1 000. Il a fixé, tenez-vous bien, il a fixé la dot de sa fille Malika à 400 millions de francs CFA. Je jure sur la tête de Kalaba, la sorcière de Kabbalah. Ali Bongo a fixé la dot de sa fille Malika à 400 millions de dollars. Donc, plus de 700 millions d'euros. Vous voyez beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Donc, la loi fixe. Donc, Ali Bongo, lui, il est hors la loi. Il fixe la dot de sa fille à 400 millions de francs CFA. Est-ce que vous trouvez que ce type est normal? Est-ce qu'il est digne de diriger le Gabon? Pour diriger le pays, il faut être un héros cornélien. Il faut commencer par respecter les lois du pays. Le député ne peut pas légiférer sur un plafond par rapport à la dot. Et puis toi, parce que tu es président de la République, tu estimes que ta fille a un corps en or, elle a un fessier en or, et tu fixes sa dot à 400 millions de francs CFA. Est-ce que c'est normal? Je vous fais une confidence. Ok, Malika Bongo, c'est une belle femme. Ok. Mais est-ce que ça vaut le coup, 400 millions? Et du coup, Ali Bongo, en fixant la dot à 400 millions, ça non négociable, a amené son gendre a laissé tomber. Il y a un Gabonais qui allait épouser Malika. C'est un certain Igor Sima, vous le connaissez. Bon garçon, beau garçon, né bon pied, bon œil. Il allait épouser Malika. Mais on lui a demandé, Ali Bongo a demandé 400 millions à prendre ou à laisser. Il a d'abord attendu, il pensait que Ali Bongo allait mettre sa fille en promotion. Il a attendu, il s'est dit, bon, c'est tellement qu'elle sera en promotion, au lieu de 400 millions, ça peut tourner peut-être à 50 millions, si elle est en promotion, mais la promotion n'est pas arrivée. La fille est restée à 400 millions. Ali Bongo n'a pas cassé le prix. Il n'a pas cassé le prix, c'est tout 400 millions. Le gars est parti. Il a dit à la fille, bon, écoute, bon, moi je m'en vais. Ton affaire de 400 millions là, c'est bon, moi je n'ai pas de 400 millions. Voilà. Un pays où on ne respecte pas les lois. Ali Bongo, c'est hors la loi. Où les députés, les représentants du peuple, la représentation nationale, le Parlement, disons, la représentation nationale, a déjà fixé un quota qu'on ne doit pas dépasser ce quota. Mais lui, il dit 400 millions de francs parce qu'il est président de la République. Vous voyez? Et du coup, le jeune Igor Sima est parti. Il n'a plus épousé la fille. Il a dit, bon, votre affaire de 400 millions, allez débrouillez-vous, moi je m'en vais. C'est un garçon bon pied, bon homme, il va trouver, si c'est l'aide à faire.
Il va trouver une meuf, il faut même aller dans les familles des pauvres, aller épouser. Parce que quand on voit bien, entre nous, ok, Malika est belle femme, d'accord. Elle est fille du président. Mais en quoi est-elle différente d'une autre femme pour qu'elle puisse coûter 400 millions? 400 millions, c'est vendre son enfant. Moi, je parle, pourquoi? Parce qu'on a déjà légiféré là-dessus. On a légiféré sur le mariage coutumé au Gabon. Et vous nous accusez toujours chez nous à Timazok. Vous dites, oh, chez toi à Timazok là-bas, au Biban, chez toi à Timazok, vous demandez beaucoup, beaucoup. Est-ce que Malika est fan? Non. Est-ce que Malika est de Timazok? Non. Est-ce que Ali Bongo est de chez moi à Timazok? Non. Parce que quand c'est nous, nos choses de Timazok, vous nous accusez. Vous dites que nous, on vend nos filles. Mais est-ce que Malika est de Timazok? Non. Malika elle est nigériane de par son père Ali Bongo et puis elle est gabonaise de par sa mère, Obierge. Elle n'est pas de chez moi à Timazok. Parce que si c'était des choses de notre, les choses de mon corps là, si c'était chez moi à Timazok, vous devez ouvrir vos mandibules pour dire, oh, voilà, les gens de Timazok, chez Liban là-bas, ils sont toujours en train de demander beaucoup d'argent pour la dot. Bon, est-ce que Malika est de Timazok? Non. 400 millions, c'est le prix d'un appartement qu'on peut payer à Paris, comme le dit la Lyon, la Reine, le Ferretti. C'est le prix d'un appartement. Donc, un jeune cadre comme Igor Sima devait dépenser 400 millions pour une dot. Ça signifie quoi? Que la fille devait être désormais la propriété exclusive et définitive de ces garçons. Et que naturellement, elle ne ferait plus partie de sa famille parce qu'il aura acheté 400 millions, c'est comme on a acheté quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Elle, je ne sais pas, vous dites qu'elle cuisine bien. Elle cuisine où? Bien, à quel niveau? Vous avez déjà mangé sa nourriture. Parce que ce que vous oubliez, c'est parfois des filles trop belles, elles sont bonnes à rien. Des filles trop belles, elles sont bonnes à rien. C'est ce que vous savez pas. Donc tu veux épouser une fille, 400 millions? Elle est paresseuse partout. Au salon, elle est paresseuse. À la cuisine, elle est paresseuse. À la chambre, elle est paresseuse. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 400 millions de dollars? Donc, il fallait que Malika elle-même fasse des cotisations, qu'elle sorte les 400 millions, si elle aimait le garçon. Celle qui devait sortir l'argent, elle donnait au mari, dit, bon, tiens, vas-y, paye-moi. Je connais des femmes au Gabon qui ont financé le propre mariage. Parce que c'est ça, vous fixez. Donc la loi fixe un cadre. Et puis vous avez Ali Bongo hors la loi, friand d'argent. Ça, c'est même des beaux pères dangereux. C'est des beaux pères dangereux. Non, Saga le ciel, c'est un sujet important parce que nos filles sont en chômage à cause de ça, les dots que vous fixez là. Vous dépassez le quota. C'est pas un petit. Vous aimerez être seulement ces femmes-là qui sont là pour éteindre l'incendie que les hommes ont entre les jambes. C'est un sujet important. La cellule familiale, c'est la base. C'est pas un petit sujet. Vous êtes toujours en train de. C'est ça le problème du Gabonais. Quand c'est des imbécilités, là vous êtes fort. Mais la famille, parce qu'un enfant qui n'est pas élevé dans un cadre familial, un cadre d'une union matrimoniale, ça ne marche pas bien. Ça, c'est ce que vous oubliez. Donc, vous rigolez tout ça. Vous rigolez des choses importantes. C'est ça la société. Quand vous avez une société qui va mal, qui a des dirigeants sans repère, mais vous avez un pays qui est mal gouverné, voilà ce que ça donne. Vous avez un président qui ne se conforme pas à la loi. Donc la loi, c'est pour vous et moi qui sommes pauvres. Et la loi, Ali Bongo, il est hors de la loi. Il est au-dessus de la loi. Et vous soutenez des bêtises comme ça. Excusez-moi. Donc vous soutenez des bêtises comme ça. Après le mariage, il n'y a pas de vie. Parce qu'on dit chez nous, en pays Guissier, et puis chez moi à Timazok, on dit que le gendre est un figuier qui porte toujours des fruits. Le gendre est un figuier qui porte toujours des fruits. Ça signifie quoi? Que le gendre a toujours quelque chose à donner aux beaux-parents. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on pense tout de suite au mouroir et au beau-fils.
Mais vous négligez? Sinon, puisque le mariage n'est plus une institution sacrée. Regardez même les femmes mariées font de la baudelairie. Les femmes mariées font de la baudelairie au Gabon, le mariage n'est plus respecté. Une femme qui est mariée va s'envoyer en l'air, elle devient une star sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est un pays, ça. C'est le pays que vous voulez construire. Je vous promets, quand on prendra ce pays, ça va changer. Il y a des gens qui vont sortir quand ils ne vont pas se respecter. Parce qu'on va restaurer les valeurs. Quand on prendra ce pays, on va redresser le comportement tordu des Gabonais, là. On va détruire. De toute façon, moi, Moulenda, avec les autres, on viendra vous redresser. Ali Bongo vous a tordu le comportement, mais nous, on viendra vous redresser. Il y aura un ministère. Un ministère de la promotion des vertus et de prévention des vices. On va créer ce ministère. Parce que ça ne va pas. Les choses importantes, vous banalisez. Même la vie n'est plus importante. La vie n'est plus sacrée. La preuve, c'est qu'il y a eu un crime là, dans le Haut-Ogooué. Combien de gens se sont indignés? Personne ne s'en est dit. Vous n'avez pas de cœur, vous qui pensez que c'est rien. J'ai cherché un sujet, je vais parler de quoi? Je vais parler de la crème que là tu frottes entre les jambes. Non, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est le sujet. C'est toi qui trouves que ce n'est pas important. Mais pour les Gabonais, il y a des Gabonais qui ont envie de se marier, mais ils ne peuvent pas se marier parce que c'est devenu compliqué. On demande trop de choses. Or, la dot avant n'était que symbolique. La dot avant n'était que symbolique. J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un. Je me cultive beaucoup. Je vois ce qui se passe chez les autres. J'ai suivi un mariage chez les Maasai. Les Maasai, c'est un peuple qu'on trouve au Kenya, en Tanzanie. Vous connaissez ce peuple-là? C'est un peuple de nomades. Je suis ce documentaire, il y a deux jours de cela. Mais dans la route, il n'y a même pas un centime. Il n'y a même pas un centime. C'est du bétail, c'est quelques présents. Mais c'était comme ça avant l'arrivée de l'argent chez nous. Mais comment comprendre que quelqu'un puisse fixer la route de sa fille à 400 000? Il veut que cette fille-là devienne célibataire. Sauf quand j'ai vu Toto associé, mon oncle qui a les cheveux blancs en haut, en bas, machin, qui dit que celui qui va épouser sa fille doit lui amener la sueur du chien. Et vous êtes sûr que mon oncle là, l'oncle là est sérieux? Il est sérieux. C'est pourquoi dans la famille Bongo et Dabani, c'est la famille où les familles où on trouve plus de célibataires par kilomètre carré. C'est les familles où on trouve plus de célibataires par kilomètre carré. On va arrêter. Et vous trouvez que c'est rien? Donc quelqu'un peut fixer. Mais c'est du n'importe quoi. Excusez-moi, vous n'êtes que très peu de choses, vous qui pensez que c'est rien. Et quand Malika est logée à 800 millions par l'État gabonais, elle est déjà députée, elle est fille du président. Donc elle est logée à 800 millions, sa villa coûte 800 millions. C'est la villa d'un couple, d'une femme de Kondia, et le mari est français, à la Sablière. Donc, elle est hébergée par l'État gabonais, 800 millions, pendant que les Gabonais souffrent. Ça ne vous dit rien. Mais le maboulisme, c'est une maladie que vous pouvez aussi soigner. Non? Et je vous dirais que les vrais riches ne sont même pas, n'ont pas ces habitudes ostentatoires. Je vous dis, demain, dans un Gabon libéré, il y aura un ministère de la prévention du vice, hein? Prévention, ministère de la promotion de la vertu et de prévention des vices dans un Gabon libéré. Et ça, vous pouvez en être sûr. Et c'est que le Gabon va se libérer. C'est parce qu'Ali Bongo a fait de faire ce truc-là. Ali Bongo fait ses alliés au monde entier. Ne vous en faites pas. Il a fait le même itinéraire là. Il est en train de faire ses alliés. Un matin, on se réveillera sans lui. Donc, vous qui pensez que c'est fini, non, on doit se résigner. Le pays se détruit au quotidien. Mais tout commence par la société. Vous voulez avoir des beaux dirigeants, mais quelqu'un qui n'a pas été éduqué, comment il peut être un bon dirigeant? Quelqu'un qui n'a pas été élevé dans un cadre familial approprié, il ne peut pas être un bon dirigeant. Et c'est ce que nous avons avec Ali Bongo. Vous avez vu que depuis qu'il est au pouvoir, vous voyez, il a fait la promotion de recto verso, le projet Graine et autres. Mais c'est normal. C'est dans le cadre où il a fonctionné. Il a fonctionné comme ça?
Ce ne sont pas des choses à saluer. Voilà Malika qui se trouve seul maintenant là. Le jeune Igor Sima est parti. Moi j'ai des sources proches de la famille Bongo. Qui m'ont dit oui, toi tu parles de ça, mais parle un peu de cette histoire-là. Donc elle est obligée, vous imaginez, donc une femme, elle a déjà des enfants. Elle veut être modèle pour ses enfants, mais il faut qu'elle soit avec un homme. Vous voulez avoir un homme qui est pauvre, mais qui est là, qui t'aide à élever des enfants dans le conseil. Mais que d'être célibataire, et puis changer, on verra, n'importe quel homme qui viendra, et même un homme qui pourra devenir un pervers sur ses enfants, soit des garçons, des filles. Mais ça, vous négligez. Je vous dis, si la société du Gabon est tordue aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de bons dirigeants qui n'ont pas suivi une bonne éducation. Parce que je parle de chez moi, en pays Guissir, à Tsamba Magotsi, à Ndoulou, à Ndougou, en pays Guissir. Je parle aussi de chez moi à Chimazok. Parce que je m'appelle Biban, je suis de Chimazok. Quand un enfant grandit, il a des repères. Il a des repères qu'on lui donne. On lui donne tous les codes pour ouvrir toutes les portes de la vie. Mais Ali Bongo a quel repère? Ali Bongo n'a pas de repère. Donc il faut arrêter. Ça, c'est pas normal. Si vous êtes tenté de faire ça, arrêtez. La loi est fixée par un cas légal. Et les gars, moi je vous parle à vous les hommes. Si vous avez une fille, moi j'ai connu ça. J'ai connu ça, j'étais très jeune. J'avais 24 ans ou 26 ans. Je suis tombé sur une belle fille d'Oyem. Et puis, quand on a su que j'étais le neveu de Chilembika Mbongila, l'administrateur général du CRH Gabon à l'époque, donc multimilliardaire, ils ont dit, ah, son oncle a l'argent, on fixe la dot à 12 millions. J'ai dit, je viendrai prendre votre fille quand elle sera en promotion. J'ai dit à mes beaux-parents, j'ai dit, je viendrai prendre votre fille quand elle sera en promotion. Ils ont dit, mais il est arrogant, comment il peut parler comme ça? Et ça a marqué la fin de ma relation avec cette fille-là. J'avais l'autre fille à Libreville, pourquoi j'allais doter une femme à 12 millions? Je ne l'ai pas encore construit, donc je vais aller gaspiller l'argent, 12 millions, parce que sa dot a été, sa grand-sœur a été épousée par un blanc à 12 millions, donc elle aussi doit demander 12 millions, parce que c'est une concurrence. Mais c'est une concurrence déloyale. Ça n'a pas de choix. Ça n'a pas de valeur, ça. Ça n'a pas de valeur. Il faut arrêter. Votre mercantilisme, vous vendez les enfants et quand ils partent là-bas en mariage, ils deviennent des esclaves. Quand vous vendez les enfants, ils deviennent des esclaves. Parce que vous dit, moi, je dépasse beaucoup d'argent. Elle est obligée de rester là même si ça ne va plus. Parce que vous n'allez pas rembourser. C'est bien qu'on mange l'argent là. Mais pour rembourser, on ne rembourse pas. Ce n'est pas là. Regarde, elle peut même tuer la fille. Parce que la fille va l'énerver. Donc, moi je préfère même que mes enfants épousent un pauvre, un paysan, un franc symbolique, mais pas vendre mon enfant. 400 millions de francs CFA. Le prix d'un appartement à Paris. Donc je vais dépenser ça parce que Malika, elle prépare bien, ou elle a un bon rythme au lit. Et zéro. Moi là, zéro. Si j'étais Igor Sima là, je lui dis à Ali Bongo, je viendrai prendre ta fille quand elle sera en promotion. Et puis je démarrer ma voiture, je partais. C'est comme ça. Voilà. Donc arrêtez. On a légiféré déjà sur le mariage coutumier là. C'est déjà un cadre légal. Avant, c'était dans le désordre. On a fixé le montant de vêtements n'est pas dépassé, pas plus de 2,5 millions. Donc, respectez ça. Les gens qui vont vous demander plus, c'est les escroqueries. Parce que même en dehors de 400 millions, en espèces, mais il y a aussi des présents qu'il faut acheter. Donc, c'est un mariage qui pouvait aller jusqu'à 700 millions. Voilà, presque 1 million d'euros. Donc, attends, vous imaginez, vous savez pas, il n'y a pas eu pire douleur pour un homme. Il n'y a pas pire douleur pour un homme que d'aller doter une femme avec beaucoup d'argent. Et après, tu prends un crédit. Donc, tu prends un crédit pour doter une femme. Et après, le mariage ne tient pas. Elle divorce. Elle va se marier avec un autre homme. Et toi, tu te mets à rembourser le crédit. Alors que la femme n'est même plus chez toi. Je vois Christina là. Mais je n'ai jamais dit que j'ai beaucoup d'argent. Moi, je ne vole pas. Je suis une famille de nobles.
Chez moi, en pays d'ici, chez moi à Chimazak, on m'a appris des valeurs que je ne vole pas. Je me contente de ce que j'ai. Je ne vous ai jamais dit que j'ai de l'argent. Moi, il n'y a que le richard au Gabon. Il n'y a pas de richard au Gabon. Il n'y a pas de richard au Gabon. C'est tous des voleurs, ceux qui sont devenus riches, la plupart. Ils ont volé. Et vous êtes fiers de faire la promotion des voleurs? Soyez fiers d'avoir des Gabonais qui ont encore des valeurs, qui refusent l'argent. Mais bon sang, vous avez quel problème? Et c'est ça, on vous a pourri jusqu'à la moelle épinière à cause de ça. Et vous venez saluer un type comme Ali Bongo. Lui-même, il a lutté ses femmes à combien? Il a lutté ses femmes à combien? Il fait que sa fille a acheté. Sa fille est exceptionnelle. Je ne sais pas ce qu'elle est là-bas dans la chambre. Peut-être qu'elle fait de vos histoires de Kamasutra ou quoi, machin, ça, comment vous appelez ça. Je ne sais pas. Mais ça ne vaut pas. Le bruit, 400 millions. Et vous, si vous êtes tenté, revoyez ça. Et les gars, si vous allez chez vos parents, vos beaux-parents, ils vous demandent plus de 2 millions 5, dites que je vais prendre votre fille quand elle sera en promotion. C'est tout. Et puis vous continuez, vous prenez la suivante. Il y a forcément une qui attend. Voilà. C'est comme ça. Parce que vaut mieux, à la limite, avoir quelqu'un de pauvre que quelqu'un qui vient simuler une richesse alors qu'il n'est pas en réalité riche. Il va aller voler, il va aller emprunter l'argent partout. Et après, c'est des dettes à rembourser. Ou après, il va découvrir que c'est un monstre. Parce qu'il y a des gens comme ça, il va aller douter, il va aller prendre beaucoup d'argent, il va l'emprunter pour épouser une femme. Mais après, la vie devient compliquée, ça devient un enfer. Mais non! C'est pas bon. Je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire que m'avait racontée mon grand-père. Qui avait une jolie fille très convoitée par des jeunes du village et même ceux des villages voisins. Cet homme s'appelait Mumbina. Il avait sa fille Paga, elle était belle. Elle était noire et belle. C'était le genre de fille que chaque garçon aimerait avoir comme épouse. Mais comme chez Mumbina, l'enfant appartient au clan de la mère. Ce sont des oncles qui ont plus de pouvoir sur les enfants. Et lui, le père, a plus de pouvoir sur ses neveux et ses nièces. Donc, l'enfant de Mumbina, c'était ses oncles maternels qui avaient plus de pouvoir. Et ils avaient décidé donc de marier Para à un homme riche. Et c'est comme ça que Mumbina les regardait, puisqu'il n'avait pas le pouvoir. Lui, il avait le pouvoir sur ses neveux, ses nièces, les enfants de ses sœurs. Et ils ont fixé donc la dot à un niveau élevé. Mumbina était là, il leur disait, ah, là, on est en train de vendre notre fille, elle aura des problèmes. Les oncles disaient, laisse ça, ça ne te regarde pas. Et puis, il y avait un homme qui en réalité était un démon, au visage à peine humain. Il avait appris qu'il y avait une belle fille au village de Mumbina, c'était la fille de Mumbina. Donc il avait donc décidé de rendre, de tout faire pour épouser cette fille. Mais c'était un démon, il vivait dans un sanctuaire de criminels. Et c'est comme ça que. Il a dit, moi, je suis un diable, un démon, j'ai la queue ici. Si je me présente là-bas pour aller épouser la fille de Mumbina avec la queue là, ils vont dire que je suis un démon. Il faut que je cache ça. Mais je n'ai pas de pantalon. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Donc, il a décidé d'aller dans le village voisin pour emprunter. Il a emprunté un pantalon au premier village.
Au deuxième village, il a emprunté une chemise. Au troisième village, il a emprunté une paire de chaussures. Et au quatrième village, il a emprunté des lunettes pour se faire passer pour un garçon très beau. Et après, au sixième village, il a emprunté beaucoup d'argent. Donc il est arrivé là en mode mola. Il avait beaucoup de pognon. Et donc les oncles de Paga, la fille de Mumbina, quand ils ont vu comme ça, ils ont dit, voilà quelqu'un, regardez comment il est bien habillé, regardez comment il a la chaussure. Voilà quelqu'un qu'il faut. On a besoin de ces gendres-là pour pouvoir caser notre fille. Et de temps à autre, on ira demander quelque chose parce que le gendre est un figuier qui porte toujours des fruits. Et c'est comme ça que Mumbina était dubitatif. Mais il n'avait pas de pouvoir. Parce que chez eux, l'enfant appartient au clan de la mère. Donc c'est comme ça que ils ont célébré le mariage. La femme était même dubitative, la petite fille. Mais les oncles ont décidé, allez, le mariage a été conclu. Et le lendemain, il fallait maintenant partir. Et donc, en chemin, il a commencé à s'arrêter pour rembourser ce qu'il avait emprunté. Donc, au premier village, il a remboursé un peu d'argent qui est resté. Deuxième village, il a remboursé le chapeau. Il avait pris le chapeau. Deuxième village, il a enlevé la chemise. Il a... Troisième, et puis il a enlevé le pantalon et le... C'est comme ça que la nouvelle, la mariée a commencé à dire, oh, le mari que j'ai a donc une queue comme ça là. Mais c'est... Et elle a dit, écoute, je te l'ai doté, tu m'acceptes comme ça, on va comme ça. Sinon, je te mange. Et elle a été conduite à la cravache, au mariage. Et quand elle arrivait là-bas, elle a trouvé, il y avait des têtes, des crânes suspendus. C'était des gens que ce diable-là avait déjà mangés. Mais elle était maintenant bloquée. Et quelqu'un avait donc donné l'alerte à Mumbina pour dire, mais la fille que toi tu as, ta fille que tu as envoyée à mariage là, mais le mouroi là, le beau-fils là, mais c'est un démon. Il a la queue qu'il a cachée derrière le pantalon et qu'il a emprunté dans notre village. Il a emprunté la chemise. Mais c'est un démon, mais ta fille va mourir. Et c'est comme ça que Mumbina, grand guerrier de son époque, il a organisé une action. Il a d'abord appelé ses oncles, les oncles de la fille, pour dire, vous voyez, je vous ai dit que ce n'était pas bien. Vous avez suivi le matériel. Parce qu'il y avait un homme qui est venu bien habillé. Mais vous voyez qu'il est un démon. Ma fille est maintenant là-bas. Il faut qu'on s'organise pour aller délivrer ma fille. Et c'est comme ça que Mumbina s'organise avec ses beaux-frères et les autres villageois. Ils ont fait une sorte de raid pour aller libérer la fille. Parce qu'elle allait finir dans la marmite de ces démons. Tout ça à cause du mercantilisme de ses oncles, à cause du mercantilisme de ses parents-là, qui souvent pensent qu'il faut donner l'enfant en mariage au plus friqué, oubliant que souvent les démons se présentent souvent avec le visage d'ange. Alors, mes chers compatriotes, arrêtez votre mercantilisme rampant qui fait de vos filles des denrées marchandes. Que vous envoyez parfois chez des démons ou dans des ménages qui ne sont en réalité que des nids de guêpes. Quand vous l'aurez compris, notre société fera quelques pas pour résorber le chômage affectif des femmes et aussi pour donner une dimension dévolue à la femme, celle des gardiennes du ménage, des gardiennes de la société. Ne faites pas comme les oncles de les beaux-frères de Mumbina qui avaient envoyé l'enfant. Et c'est ce qu'Ali Bongo est en train de faire. Alors Ali Bongo, si tu me suis, casse le prix. Casse le prix, tu trouveras preneur. C'est mieux que ta fille aille, même chez un pauvre, que de fixer le prix parce que toi, tes députés qui t'ont élu ont fixé la dot à 400 millions de dollars et toi, tu ne peux que te soumettre à ce prix. Et tout le monde doit se soumettre à ça. Merci de m'avoir reçu
et surtout, bon week-end. Enfin, bonne fin de week-end. Thank you.
Oh, 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 oh